Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Oh, ça a été un dur congé des patriotes pour la caisse populaire des jardins. <coughs> Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. On se souviendra de ces de ces affiches là, qui seraient une initiative locale où on voyait le drapeau canadien pour annoncer le, le congé férié de la fête des patriotes. Depuis, Desjardins euh, s'est contenté d'une simple déclaration écrite pour s'excuser. On n'a pas le courage de venir en entrevue. Et Yasmine, ben, les réactions politiques se sont multipliées. Euh, c'est ça ce qu'on dit lorsqu'une gestion de crise, euh, la, les trois premières heures se transforment en trois jours et quand tu es prêt de le régler en trois jours, ça se transforme mmh. en trois semaines. Et on l'a ici, c'est la pire gestion de crise d'une institution financière dans le sens où euh, ça pouvait juste être, tu sais, faire un mea culpa, dire c'est une bourde, euh, que ça a échappé à la vigilance, que ça a échappé au contrôle habituel. Parce que... Le drapeau du Canada n'est pas une insulte en soi, là, il ne faut pas le voir comme une insulte. Moi, ce qui m'insulte là-dedans, c'est la méconnaissance de l'histoire, de savoir que la révolte des patriotes est antérieure à la fédération canadienne. Là, la fédération canadienne, c'est 1867, alors que la révolte des patriotes, c'est 1837-38. Alors, il faut au moins reconnaître que les personnes qui ont pu concevoir, approuver, imprimer, accrocher et manipuler cette pancarte-là n'ont aucune idée de l'histoire. C'est pas fort. C'est ignorant, c'est inculte. C'est de, de, de l'inculture à son maximum, à son paroxysme. Et euh, je pense que c'est symptomatique de ce qu'on vit euh, tous en mmh. société où on ne connaît pas assez notre histoire, on ne connaît pas assez euh, nos dates les plus importantes. Et donc, on ne connaît pas assez ce qui représente un symbole de ce qui ne le représente pas. Mmh. Marc-André? Bien, clairement, je, je suis d'accord avec Yasmine. Clairement, c'est un reflet de la société, dans le sens où les gens ne connaissent pas là, ces, ces grands moments-là qui ont marqué notre histoire. Là. Moi, il y a même des gens, puis pas des gens, puis des gens qui sont quand même assez qui sont instruits, puis qui ont des bons travaux, euh, puis des bons travails, pis des bonnes jobs, qui me disaient la semaine dernière dans différentes rencontres, on parlait du congé, du long congé, puis là, tu sais, la reine des patriotes, puis disait, ah, mais pourquoi c'est pas la fête du roi, là? Ben, t'as peu, j'ai dit, non, on fait on fait victoria, là. tu sais, je veux dire, ça, là, c'est, 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 là, c'est pas des gens, là, des nuées de sens, là, que je suis chercher dans le fond d'une grotte, là. C'est des gens qui, 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 je veux dire, c'est pas tout, nous, 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 on suit ça, on est des bébites peut-être un peu à part, mais même, je veux dire, je peux pas vous compter l'histoire des patriotes de A à Z non plus, là. Mais, c'est un reflet. Bon, c'est des gens qui, qui sont en position, c'est des gens qui devraient être attentifs à ça. Mais, faut pas être malheureusement, faut pas être surpris là. Mais là, ce matin aussi, faut se comprendre. Là. Quand je lis des Daniel Payet qui nous dit que là, le, euh, Desjardins veut se dissocier du Québec là, ben à veux là. Ben, à un moment donné, je veux dire, il y a une erreur qui a été commise. On, je suis d'accord avec la vie. Il y a que tu dis par rapport à la gestion de crise que tu règles pas dans les premières minutes, heures qui font en sorte que là présentement, je pense que, tu sais. Le grand patron de Desjardins, Guy Cormier, là, il est très bon en entrevue. Là. T'sais, je, je, je fais faire un... T'sais, il y a, fa... a une façon de mettre le couvercle sur la marmite rapidement, mais là, ça s'étire. Mais là, de commencer à dire là, que Desjardins veut se dissocier du Québec, puis on est rendu que là, Desjardins, c'est des ici et des ça, parce qu'ils ont fermé une caisse populaire dans, dans des régions, à un moment donné, il ne faut pas tout mêler non plus. Puis là, même de dire que là, l'affiche, là, marquée jour férié avec un b jaune, là, ça aussi, c'est la fin du monde. Ben, il va en avoir plus, en avoir plus dans les prochaines années, là. Si tu ne veux pas commettre d'erreur, justement, cette affiche-là. Si tu ne voilà. veux pas commettre d'erreur, tu marques, c'est générique. Ouais, mais jour il n'y aurait férié, pas dû être jaune, ben... le b C'est discriminatoire. Non, non c'est ça, mais c'est ça, Alexandre. Que ce soit Pâques, que ce soit Saint-Valentin, que ce soit la fête nationale, la fête du Canada, tu mets un bicycle jaune, tu pars le jour férié, puis là, le monde va chicaner sa couleur du vélo. Tu sais, je dis pas, il y a une erreur qui a été commise, il y a une mauvaise gestion de crise, mais à un il ne faut pas tout mélanger non plus. Là. Mais on parle de gestion de crise, Yasmine. Honnêtement, là, ce qui se passe depuis la fin de semaine, ça devrait être enseigné comme un cours 101 quoi ne pas faire dans une gestion de crise. Parce que se limiter à un simple communiqué, c'est pas ça la façon de faire Yasmin. Il y avait une chose, une chose à faire pour Desjardins. jardins de un, d'accepter les demandes d'entrevue, d'asseoir ici puis sur les plus grandes tribunes, Monsieur Cormier, qui gagne mmh. plusieurs millions de dollars par année pour gérer cette institution là, et de venir répondre aux questions. Ben, il T'sais, y a différentes manières. T'arraches le plaster et tu... en partant. Oui, oui, c'est sûr que tu l'arraches en partant, mais plutôt que d'avoir un tweet où euh, ils ont écrit qu'ils s'excusent à la communauté québécoise ça ça a rajouté du flou c'est pas une communauté c'est une nation là t'sais, on peut-tu des jardins peux-tu savoir que le Québec est reconnu et est une mmh. nation c'est c'est comme plusieurs couches de mauvaises décisions de personnes qui sont visiblement pas expérimentées qui ont fait ça mais tu déjà tu t'excuses les réseaux sociaux tu fais euh, pas dans la fin de semaine tu fais sortir euh, ton VP, communication, puis il fait une vidéo que tu mets partout tous ses réseaux sociaux euh, où il explique, euh, en fait, où il s'excuse au nom de l'organisation, même si tu ne veux pas sortir Guy Comien, parce que Guy Comien, c'est pas lui qui a approuvé la fiche, là, on peut tous le dire, mais il est imputable et non, responsable de tout ce qui se fait dans l'organisation. Mmh. Ben, c'est le leader de l'organisation, euh, c'est lui qui est à la tête. C'est sûr. Mmh. Euh, tu changes rapidement la fin de semaine, lundi, tu as le temps de le faire. Le lundi, tu fais ton euh, de, de nouvelles affiches, puis tu les placards partout sur tes réseaux sociaux. Puis mardi, Guy Cormier donne une seule entrevue qui va être reprise partout, où il s'excuse, il contrôle son mmh. message. « Merci beaucoup, mmh. ta crise est terminée. » Mais, mais tu sais, on n'est pas, pas à l'interne de Desjardins, mais pour, pour avoir déjà vécu ça en politique, là, ça, quand c'est un long week-end Okay, quand c'est un long week-end, tout le monde le vendredi est content. Puis ça, c'est une excuse de rien, mais je vous essaie juste de vous expliquer un peu. Oui. Yasmin, tu l'as sans doute vécu également. Quand c'est un long week-end, tout le monde décroche un peu. C'est là, là qu'il faut qu'il t'arrive rien. Là. Que ce soit un insu, peu importe, une banque, une caisse, un parti politique, c'est là, là qu'il faut qu'il t'arrive rien parce que là, le temps de réaction... là. Il est fois mille, là, tellement il est rendu plus lent. Et là, également à l'interne, je suis persuadé qu'il y a deux courants de pensée. Un courant de pensée qui dit ce que Yasmine vient de dire, que moi, je pense qu'il a la bonne approche. Tu, sais, tu parles, tu fais une entrevue, tu sais, tu... Et l'autre euh, courant de pensée qui doit être le suivant, qui doit être faut pas mettre de l'huile sur le feu. faut pas nourrir oh. la bête. Si nous, on commence. À... ça, ça c'est On ça dans une tour de Il ne faut pas que tu nourrisses la bête. Parce que si toi, tu viens dire une déclaration, là, ça va être repris. Puis là, ça va être commenté. Fait là, faut. On va. Tu sais, ça va. Ils pensent certains. Des fois, ils conseillent de. Tu sais, ça va s'amoindrir tout ça, Ça va se calmer tout seul. Ben, ils sont dans le champ, solide, là Ah, non, mais je, je vous le dis. Moi, j'ai vécu ça en politique. Semaine, non, je ne sais pas crois. si j'ai vécu, mais il y a tout le temps deux courants ah, ouais, de pensée. Ouais, ouais. Mes deux courants de pensée, puis là, clairement, bien, avec ce qu'on voit, on n'est pas à l interne, puis ils ne me diront pas, puis on n'est pas à leur rencontre de, de stratégie, mais clairement, ouais. il y a un courant de pensée qui est on n'alimente pas la bête. Ouais, mais au contraire, quand il y a une crise, tu vas au-devant de la crise t'affrontes la crise, tu vas au-devant, ouais. tu contrôles le message. Alors là, c'est pas ça qui est arrivé. Puis oui, t'as raison, c'est un long week-end, mais ça tombe bien, je travaille, moi, le long week-end. Fait que j'en ai parlé samedi, dimanche. Puis après ça, tiens, on est quoi, mardi, mercredi. Puis on va continuer d'en parler tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas le courage de venir s'expliquer. Euh, oui, il y a le Conseil général, le Conseil national de Québec solidaire, Marc-André, ouais. en mm -hmm. fin de semaine. Mais les libéraux aussi vont se, vont se réunir. Et ça survient quand même à la veille d'une course mm. qui va être déterminante pour la suite des choses pour mm. le parti. Cette, cette course à ouais, l'échec. Euh, mais là, Alexandre, en fin de semaine, là, sérieusement, tu dis que tu, hein, tu à, salut, bonjour au week-end. Il y a un embouteillage là, de, conseils, sais, on va, on va occupés, de hein. conseils nationaux, de conseils généraux. Là, tu as Bon, QS à Jonquière, ça, tout le monde le sait parce oui. que ça fait deux semaines, deux, un mois qu'on en parle. Après ça, conseil national pendant une journée le 25, de la CAQ à Saint-Hyacinthe. Et là, également, puis on l'avait comme un peu oublié. Mais les libéraux provinciaux sont à Bromont. là. Ça aurait été peut-être le fun qu'ils se parlent, tu tout le monde un petit peu avant pour sortir <laughs> des dates. Parce que là, oui, parce que les ils cannibalisent les... euh... can le, can le, la, la, la couverture. couverture. Canibal... Ben, surtout pour les libéraux, de, es course, ben oui, tu sais, t'essayes tu à l'aube d'une course. Puis là, ce matin, on apprend dans la presse que tout le monde va être là. Tous les anciens chefs. Monsieur Couillard, on va y rendre hommage. Madame Andate va être là. Les anciens chefs par intérim. Monsieur Fournier, Monsieur Arcand. Tu veux dire, là, tu veux faire une espèce d'appening. Tu quand même encouragé par le fait que tu as gagné deux points dans le dernier sondage, puis que là, de la QS, ça ne va pas très bien, la CAC non plus, euh, l'EPQ toujours premier, mais descendu un petit peu. Puis là, tu te dis, il y a peut-être une opportunité pour nous autres d'être un parti fédéraliste, on peut aller chercher un bon candidat. C'est juste qu'en fin de semaine, malheureusement, je pense que les libéraux vont passer troisième. Mais Yasmine, on a souvent dit, ah, le parti libéral, c'est le parti, parti de l'économie. Penses-tu que le parti peut redevenir ce, ce, ce parti, cette référence-là sur le plan d'économie Il y a quelques mois, je t'aurais dit que ça va être difficile. Aujourd'hui, mmh. après le déficit de 11 milliards, après des décisions assez particulières, l'harmonisation d'Éric Girard avec le fédéral de, euh, euh, du gain en capital, je te dis qu'il y a une opportunité que les libéraux pourraient, euh, pourraient saisir mmh. et qui pourrait les replacer sur la map de l'économie. Ce conseil général est assez particulier pour les libéraux parce qu'il s'inscrit dans une pré-course au leadership mmh. où on voit déjà les plaques tectoniques commencer à changer, c'est pour ça, et commencer à bouger, commencer à y avoir des clans qui commencent à se former. Bon, Denis Coderre sera pas là, ça, bon, ça, ça, ça va enlever un peu de piquant. Ah non, il marche un encore, un de piquant, là. Il marche encore. Ben oui, oui. Ben oui. Jour 8. Il marche encore. As-tu as des nouvelles, Marc-André, euh, de, de Denis Coderre, là, des nouvelles récentes? Ben, ben, là, hier, je pense, c'est rendu jour 8. Il y avait une petite pause. Il est allé à Metz. Puis, euh, non, ça, ça, ça roule, son affaire, là. Bon. Puis, là, il y avait ça un nouveau slogan hey. aussi. Oui, ça marche, quoi son là, son là, Coderre, Ça va. Ah ben, il, a dit, <laughs> il a dit, monsieur Coderre, en 25 fait, minutes, il a dit, c'est sûr que le fait de marcher à Compostelle, là, ça avait Faire ressurgir là, un slogan. Là. Avec Codair, ça va marcher. <laughs> oui, ah ben, je vois déjà ça sur la vidéo. <laughs> mais là, mais là, il va se mordre les doigts, là. Peut-être que tu marches à Compostelle, toute la gang des libéraux sont à Beaumont, là. C'est vrai. C'est là que les alliances se font, là. Zéro oh, zo, et oh, et toutes les caméras sont là, là en plus. Ben oui. Ouais, puis il n'y a pas ben, Mettre à Compostelle. Non. Non, non c'est ça. Ben, on va ben, nous faire un une petite ben, vidéo sur son imperméable jaune. Jaune, oui. Il y ben oui, il y a mouillé la de semaine de pour lui. Aïe, aïe, aïe. Bon, euh, Yasmine, parmi les choses qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est la ministre responsable de l'Habitation, Francéline Duranceau, qui va déposer son nouveau projet de loi pour mieux protéger, bon, entre autres, les, les personnes plus vulnérables, les aînés, contre les évictions. Euh, C'était demandé, entre autres, par Québec solidaire. Euh, est-ce est que, est que, politiquement, est-ce que c'est un gain pour Québec solidaire? Ah Oui. Oui, définitivement. C'est Québec-Gilder qui a mené cette bataille-là pour euh, élargir la portée de ce qu'on appelle la loi Françoise-David qui protège les, les locataires les plus vulnérables, là, les aînés les plus vulnérables mmh. des, euh, des évictions là on voit que euh, France-Hélène Hélène sauva va mener euh, finalement déposer un projet de loi en ce sens et c'est là où moi je comprends tout hein. quand je vois que France-Hélène Durant-Sauva va déposer un projet de loi je comprends son entrevue à Radio Canada mmh. d'il y a quelques quelques jours là où elle disait que c'est pas vrai qu'elle manque d'empathie c'est pas vrai qu'elle manque euh, euh, qu'elle ne réfléchit pas aux besoins de des plus vulnérables c'est juste qu'elle est trop rationnelle dans sa communication alors tout ça c'était une mmh. campagne de communication pré dépose du projet de loi. Là. On, on dresse la table, regarde, elle manque pas d'empathie puis là, bam, vous voulez une, une preuve, on dépose un projet de loi qui mmh. est réclamé par Québec solidaire. Comme dit l'expression, tout est dans tout. Marc-André. Alexandre, c'est un 180 degrés. Là, parce que quand on parlait de, de cet enjeu-là, des évictions plus tôt cette année autour du projet de loi 31, moi, j'ai parlé à plusieurs reprises, là à l'entourage des ministres Duranceau, on m'expliquait qu'on n'avait pas besoin d'aller de l'avant que ce Québec Solidaire disait. On m'expliquait que le projet de loi 31 avait des nouveaux mécanismes pour changer le fardeau. Le fardeau était sur le propriétaire plutôt que le locataire. On m'expliquait ça de long et en large, à plusieurs reprises. Là. Et là, aujourd'hui, on va voir ce que le projet de loi va, avoir de, va, va contenir. On ne l'a pas encore pouvoir le consulter, mais ce qu'on apprend, c'est que c'est un changement à 180 degrés. Là. Dans, dans la lignée, Yasmine, ce que tu dis de changer un peu l'image des ministres, de dire que finalement, elle n'est pas oui. insensible, tout ça, mais c'est quand même majeur là, de voir comment il y a un changement par rapport au fait que ce sont... Et, il y avait une ligne dure de dire, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de renforcer par rapport à ça, on a déjà tous les mécanismes, puis le projet de loi 31. Et là, aujourd'hui, on nous dépose quelque chose qui va, qui va aller dans le sens de Québec solidaire. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, tu posais à Yasmin, oui, c'est une victoire pour Québec solidaire, tout dépendamment aussi qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement dans le projet de loi. Mais c'est un gros, gros, gros changement d'orientation. Fait clairement, la carte qui sent que sur cet enjeu-là, peut-être au cours des derniers mois, ils l'ont euh, échappé, puis ils ont mal paru. Et là, c'est le temps de corriger le tir. Oui, il reste à voir aussi bon, les, euh, de quelle façon ça va être reçu de la part des groupes communautaires, ouais. des groupes qui viennent en aide, notamment mmh. aux locataires. Yasmine Marc-André, merci à vous deux. Merci. Bye bye.